Voilà, ben merci à tous d'être ici. Je vais appeler Marie, si tu veux bien. Alix de Sagazan, qui a un sacré caractère, je le dis à chaque fois que je la présente. Et Pierre-Henri Bovis. Alors, il manque des chaises ou pas? Non, regarde, on va se mettre comme ça. Moi, je vais me mettre, comme c'est moi qui anime, je vais me mettre un peu de côté. Ben alors, merci à tous d'être ici. Merci à Alain Juppé. Donc, c'est un grand honneur pour nous. On est très ravis que vous soyez là. Je vais présenter les gens qui vont intervenir avec nous et qui représentent un peu un panel représentatif de notre univers. Donc, vous avez Marie Eklund, qui est investisseur, hein, on ne va pas dire investisseuse, on ne va pas rentrer là-dedans, et qui a fondé le fonds Daphni. Et Marie est présidente de France Digital, c'est une personne en vue dans le financement des startups. Et également Alix de Sagazan, donc, qui est entrepreneur, hein, entrepreneur, qui a fondé Abetesti, entre autres, hein, qui a fondé d'autres sociétés, malgré sa jeunesse extrême. Et Pierre-Henri Bovis, qui est avocat, qui représente ici la jeunesse, qui est un jeune trotskiste, d'ailleurs, je tiens à le dire, qui a fondé le... Je dis beaucoup de bêtises, monsieur le Premier ministre. Hein, je tiens à le dire, parce que ne vous étonnez pas, on vous a prévenu. Et qui a fondé le jour couché, en réponse à la nuit debout. Et qui représente ici la jeunesse, comme on peut le voir. Voilà, donc... alors, on est là pour parler... Alors, on est là pour parler de votre programme, bien entendu, mais il se trouve que, juste à côté, il y a une conférence, pas une conférence, mais une réunion du CRIF, et qu'ils ont comme invité, peut-être qu'il viendra, en tout cas, il viendra à notre Assemblée Générale, Emmanuel Macron. Donc, c'est un hasard, vous êtes à quelques mètres l'un de l'autre. Et on va faire une petite aparté, même si, évidemment, ça ne sera pas le sujet de la soirée. Que pensez-vous du mouvement qu'a lancé Emmanuel Macron? C'est un titre original. Un mouvement qui ne serait pas en marche, ce serait un peu un oxymore. Je lui souhaite bonne chance. Je pensais que le ministre de l'économie, qui a une charge considérable dans le fonctionnement des pouvoirs publics, devait se consacrer essentiellement à sa tâche plutôt qu'anticiper sa future carrière en créant un parti politique. Mais enfin, chacun est libre, bien sûr. Alors, moi, je suis allé sur le site d'En Marche et il ne faut pas que je sois trop dur parce que comme il va parler à notre Assemblée générale, en fait, le site est vide. Donc, je pensais qu'il y aurait un programme complet. En fait, allez-y, allez sur En Marche si vous voulez. Et il n'y a rien. Et les adhérents, les 13 000 adhérents, c'est des gens qui ont rempli la mailing list. En fait, vous savez qu'ils sont inscrits dans la mailing list. J'étais très surpris. Venez sur alainjuppé2017.fr. Il y a plein de choses en ligne. Alors, je propose qu'on parle d'abord de politique. Ensuite, on parlera un petit peu d'économie. Et puis, pour finir, nous parlerons du digital. Ce que je propose, c'est que vous preniez la parole. C'est par ordre de compétences décroissantes, en ce qui me concerne. Disons qu'on part. On part du général et puis on ira vers le particulier. Mais donc vous intervenez à tout moment. Hein, donc j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je vais essayer de me mettre face à vous. Et pareil pour la salle. Donc ce que je propose, c'est que si Benjamin peut faire passer le micro. Ou Sita, tiens, si ça te dit, Sita, de faire passer le micro et d'intervenir, il n'avait pas prévu ça, mais d'intervenir à tout moment. Alors d'abord, comment se passe cette campagne pour... Alors, juste, je vais poser une question. Qui a prévu d'aller voter à une primaire de la droite ou de la gauche si elle a lieu? Ah, nom de Dieu. Donc, il y a un vivier potentiel. Ah oui. Oui. Bah, d'après la dernière enquête, comment ça s'appelle, du CEVIFOP, oui. Je crois, 10% du corps électoral se dit intéressé et prêt à aller voter à la primaire du droit et du centre. Ça fait 3 à 4 millions de personnes. Vous voyez qu'il y a une curiosité, oui. Un appétit. Absolument. Moi, je connais des gens de gauche qui vont... enfin, des gens de gauche, qui vont voter pour la primaire des Républicains. Non, ce n'est pas la primaire des Républicains. Vous voyez, première rectification importante, c'est la primaire des Républicains et du centre. Elle n'est pas organisée par les Républicains. Elle est organisée par une haute autorité indépendante qui est présidée par un professeur de droit constitutionnel qui a du caractère, qui s'appelle Anne Levade. Elle a sa propre structure juridique. Elle s'est constituée en parti politique. Elle a son financement. Elle a ses locaux. Elle a ses équipes. Elle est en train de mettre en place dans chaque département un comité d'organisation des primaires.
Voilà un peu, si vous voulez, pourquoi ce n'est pas une primaire des Républicains. Et on ne demandera pas la carte des Républicains pour aller voter. Comme c'est mon parti politique, si vous voulez la prendre, je ne vais pas vous en dissuader, mais ça ne sera pas obligatoire. Alors, puisqu'on est sur la primaire, restons-y. Pourquoi ne peut-on pas voter par Internet ? 45 millions, c'est le corps électoral potentiel. Nous aurons les listes électorales, puisque ce n'est pas une élection officielle, c'est une élection organisée par la structure dont je viens de parler, au mois de mai, vraisemblablement. Il aurait donc fallu adresser à 45 millions d'électeurs potentiels un identifiant ou un code pour leur permettre de voter aux primaires. Ben, on ne sait pas faire. Voilà. En revanche, on aura un vote numérique pour le 1,5 million de Français de l'étranger qui est enregistré dans nos consulats, où là, ça nous paraît davantage gérable. Alors, il y a un spectacle. On a eu droit ces 8 dernières années à 2 spectacles qui ont affligé les Français. Le premier, chronologiquement, c'est l'élection au poste de premier secrétaire du PS entre Martine Aubry et Ségolène Royal, qui s'est terminée, comme on a vu, c'est-à-dire d'une façon absolument pitoyable. Et on a eu l'élection, évidemment, à la présidence de l'UMP à l'époque, qui s'est fini de la même manière. Et je pense que les Français ont été choqués que des gens qui veulent gouverner se comportent comme ça, c'est-à-dire d'une façon, on peut le dire, sans respecter la propre légalité du parti. Et dans d'autres pays comme l'Allemagne, il y aurait eu des peines, il y aurait eu du pénal, je pense. Et en France, c'est passé. Et donc ma question est, comment, monsieur le Premier ministre, pensez-vous pouvoir assurer la sincérité du scrutin dans cette primaire ? D'abord, j'émets les plus grandes réserves sur le caractère absolument parfait du fonctionnement de la démocratie partout ailleurs. On me dit toujours c'est mieux en Allemagne, c'est mieux ici, c'est mieux là. Je demande à voir. Ce qui n'est pas une raison pour justifier ce qui s'est passé, qui a été lamentable. Et d'ailleurs, les protagonistes n'ont subi les conséquences. Il a fallu ensuite remettre de l'ordre. Je vous rappelle, mais ça n'a qu'un intérêt rétrospectif, qu'on a constitué à ce moment-là un triumvirat. Les 3 anciens premiers ministres, Raffarin, Fillon et moi, pour assurer la régularité de l'élection qui a suivi, avec la participation de Anne Levade, précisément, et cette élection a été régulière, incontestable et incontestée. Nous voulons absolument faire la même chose. Si nous nous plantons aux primaires, c'est très clair, nous nous planterons à l'élection présidentielle. Il faut quand même voir pourquoi on fait une primaire. On fait une primaire parce que le paysage politique a profondément changé, qu'il n'y a plus droite et gauche préalternée, il y a troisième partenaire, si je puis dire, le Front National, qui peut peser potentiellement 20 à 25% et donc éliminer le candidat de la droite au premier tour s'il y en a plusieurs. Donc il faut dégager un candidat qui ait la légitimité, la force nécessaire pour figurer au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle il faut réussir les primaires, parce que si elles ne sont pas transparentes et incontestables, ce candidat n'aura pas la légitimité nécessaire. Je suis assez confiant parce qu'on a mis en place un dispositif, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, qui me paraît solide et prêt à fonctionner. On sera très vigilant pour qu'il fonctionne. La deuxième condition pour sa marche, c'est qu'il faut mobiliser largement. Les sympathisants des Républicains, ceux des autres partis du centre, enfin, il n'y en a pas des masses, il faut quand même y avoir que tous les adhérents additionnés des partis de la droite et du centre, c'est moins de 300 000 personnes. Donc si on en résiste à ce vivier, ça va pas être terrible. Donc il faut déborder largement. Sur les déçus du hollandisme, il me semble que par les temps qui courent, c'est une cohorte qui augmente. Et puis peut-être aussi sur les déçus du Front National. Il y a peut-être des électeurs du Front National qui vont finir par se rendre compte de l'inanité du programme que leur propose ce parti. Donc voilà, rassemblons largement. Et ma cible, c'est, enfin notre cible, c'est 3 millions d'électeurs. Le Parti Socialiste a fait 2 800 000 en 2007 ou 2012, je ne me souviens plus. Ils ont choisi quelqu'un qui a été élu. Ce n'était pas le meilleur, mais enfin, ils l'ont choisi quand même. Et vous aurez des garanties, il y aura des personnes à vous, comment vous avez pour s'assurer qu'il n'y ait pas un détournement du scrutin ou... Bon, je ne suis pas sûr que vous s'y intéresse toute cette mécanique interne. Oui, oui, il y a un comité départemental d'organisation des primaires, d'accord, avec une personnalité qui a été désignée par la haute autorité. Donc ça se passera bien. Et dans ce comité d'organisation, d'accord, nous avons chacun des représentants. Moi, j'ai mis en place mes comités locaux, j'en suis à un peu plus d'un millier. J'ai été mobilisé ceux de la France d'outre-mer la semaine dernière, puisque j'étais en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. L'étape la plus frustrante a été Saint-Barthélemy. Je suis arrivé par un petit avion de Saint-Martin, 10 minutes de vol. On m'a propulsé dans une espèce de bar-restaurant qui dominait une superbe petite plage, sable blanc, eau émeraude. J'étais naturellement en costume cravate, j'ai fait un discours et je suis reparti. Voilà. Mais bon, j'ai mobilisé les troupes. Je veux dire par là que j'ai pas eu le temps de piquer une tête.
C'est dommage. Je l'ai fait à La Réunion il y a quelques temps, et sur les réseaux sociaux, ce déplacement qui était extrêmement studieux s'est transformé en vacances d'Alain Juppé à La Réunion. Donc cette fois-ci, j'ai été très prudent. Je me suis baigné 3 fois, mais entre 7h et 7h15 le matin. J'étais seul. Bon, parlons maintenant d'économie, et puis je vais passer. Oui, mais bien entendu. Peut-être une petite question. Nous parlons aujourd'hui de la primaire. Jean-Christophe Cambadélis a ironisé sur le fait qu'avec le nombre de candidatures aujourd'hui, nous pouvions faire une équipe de foot. Alors, aujourd'hui, n'y a-t-il pas trop de candidats à la primaire? Est-ce que trop de démocratie n'asphyxie pas la démocratie? Est-ce qu'avec le nombre de candidatures aujourd'hui, vous arrivez, ou est-ce que l'ensemble des candidats arrivent à expliquer le programme de manière claire et précise? Est-ce qu'on n'assiste pas là à un espèce de brouhaha au sein ça, de la droite? Ça fait un peu « et moi, et moi, et moi ». D'abord, Cambadélis ferait bien de s'occuper de son parti, il y a fort à faire, en donner des conseils aux autres. Cela dit, il ne faudrait pas que cette primaire se transforme effectivement en un concours de beauté destiné à chacun des compétiteurs ou permettant à chacun de ses compétiteurs de se positionner pour un futur poste ministériel. C'est un peu ça qui est en train de se décider. Enfin, nous n'en sommes qu'à la période des candidatures à la candidature. Après, il faudra obtenir des parrainages, il faut la signature de 20 députés, je ne sais plus, de 250 élus locaux, de 2500 électeurs. Donc ça va se décanter. J'espère qu'on ne sera pas une dizaine sur les plateaux de télévision. Ça risque effectivement d'être un peu difficile à gérer. Moi, j'avais également une question liée à l'équipe, hein, qui est que, en fait, dans mon métier, on investit sur des gens qui créent un peu le futur, sur des entrepreneurs, et à chaque fois, il y a toujours cette dimension d'équipe qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, ce qui nous amène, c'est une vision de là où ils veulent aller, un éclairage très précis sur ce qu'ils vont faire en termes de première étape. Mais les choses et le monde évoluent tellement vite que la vraie question pour maintenir ce cap-là, c'est quels sont les gens qui sont aux commandes pour arriver à s'adapter, etc. Et ce qu'on peut voir, nous, en politique, c'est très différent de ce réflexe-là, puisque c'est souvent non pas des gens qu'on constitue et une équipe qu'on constitue au départ avec des compétences, avec ce partage de vision et ce partage commun d'intérêts pour y arriver, mais plutôt souvent des alliances un peu politiques. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut arriver comme enfin... Comme on l'a vu au dernier remaniement, grosso modo. Exactement. Est-ce qu'on peut arriver enfin à faire une vraie équipe avec, en tenant compte des compétences? On a vu le gouvernement du Premier ministre canadien qui était à ce titre assez remarquable. Donc qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet? Constituer une équipe compétente. Alors, est-ce que j'afficherai les noms avant l'élection présidentielle? C'est ce qu'on me demande, ici ou là, une sorte de shadow cabinet. J'y réfléchis. Il y a des avantages et des inconvénients. Et est-ce que l'inconvénient, c'est de décevoir beaucoup de monde. Mais oui, mais c'est le courage que les Français attendent, peut-être, d'oser décevoir. Vous avez raison, mais le courage, il sera d'abord dans les propositions que je ferai. Et ça, j'ai bien l'intention, avant les élections, de dire ce que j'ai l'intention de faire. Ça sera une novation par rapport aux précédentes élections présidentielles, où, en général, on n'a pas affiché la couleur. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, la crise politique actuelle. C'est que l'actuel gouvernement et l'actuel président de la République essayent de faire une politique qui n'est pas exactement la même que celle qu'ils avaient annoncée en 2012, d'où le trouble de leur électorat et les divisions au sein de leur propre majorité. C'est avec ça qu'il faut rompre. Il y a la question des personnes, vous avez raison, je suis bien conscient qu'on choisit des hommes et des femmes, mais il y a aussi la question du projet. Et justement, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de personnalités qui viendraient du monde de l'entreprise? Ah, ça c'est une vaste question, mais viens qui veut, venez. Simplement, je constate que vous vous pressez pas. Ça, c'est une grande question que j'ai dans la tête depuis longtemps. Alors, l'un des candidats à la primaire a trouvé la recette. Il dit on va obliger les fonctionnaires qui font de la politique à démissionner de leur corps d'origine. OK, très bien, ça ne me dérange pas. Est-ce que c'est ça qui va attirer à la politique une personne supplémentaire venue du monde de l'entreprise? Je n'en suis pas sûr du tout. Parce que s'il n'y a pas davantage d'hommes et de femmes venant de l'entreprise dans la politique, c'est parce qu'ils hésitent à y venir, hein, parce que c'est difficile. Et parce que parfois, quand on en fait l'expérience, voilà, ça ne se passe pas toujours très bien. J'ai dans mon équipe, et je l'ai fait entrer à Bordeaux en 2014 lors de l'élection présidentielle, une femme qui s'appelle Virginie Calmels, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise. C'est une adhérente, c'était une extrêmement brillante. Et au terme de sa campagne régionale, elle m'a dit « Je ne pensais pas que c'était aussi difficile et je ne pensais pas que c'était aussi physique de faire de la politique. » Voilà. Donc la politique, ce n'est pas une promenade de santé comme ça qu'on fait en dilettante. C'est une mission dans laquelle on s'investit. Moi, je ne demande qu'une seule chose,
c'est qu'il y ait davantage de candidats venant du monde de l'entreprise. Et on n'en trouve pas. Il y a une seule entreprise qui a enfin répondu à un appel que j'avais lancé il y a 20 ans au monde de l'entreprise, au CNPF de l'époque. Vous voyez, ça ne rajeunit pas. Enfin, ça ne me rajeunit pas. Et aujourd'hui, au MEDEF, donner à ceux de vos collaborateurs qui veulent se lancer en politique une petite sécurité pour leur dire, si vous vous plantez et si vous vous retrouvez au lendemain de l'élection perdu en l'air, on vous aidera. Michelin vient de le faire. Et je dis bravo. C'est la première grande entreprise qui a pris cette initiative. Donc vous voyez que moi, je ne suis pas du tout fermé à ce genre de choses. Mais que diable, venez, investissez-vous, participez. On sera très heureux de vous accueillir. Mais pourtant, il y a quelques entrepreneurs qui ont justement un peu essayé de s'investir en politique. Je pense à Denis Père, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il a été dégoûté de la politique et qu'il s'est retiré de la vie politique? Pourquoi, pardon? Alors, Alix cite Denis Père, mais on peut peut-être élargir à tous les mouvements de primaire citoyenne qui fleurissent actuellement et qui sont en concurrence, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives qui sortent, la primaire pour tous, la primaire.org, ou nous, citoyens, qu'avait créé Denis Père? Je crois qu'il ne faut pas du tout traiter ce mouvement à la légère, au-delà des personnalités qui s'affirment et des ambitions tout à fait légitimes. Je crois que c'est révélateur d'un mouvement très profond. Et ce mouvement très profond, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont envie, je parle de la France, mais c'est pareil dans d'autres pays, ont envie de dire leurs mots et de participer à l'élaboration des décisions qui les concernent. Et pour moi, c'est une grande interrogation, parce que ça, on le fait au niveau local. Si aujourd'hui, dans le monde politique, les élus qui restent encore à peu près appréciés de leurs concitoyens, c'est-à-dire les maires, ont une cote de popularité meilleure que celle des responsables nationaux, c'est pour deux ou trois raisons. D'abord parce qu'il y a la proximité entre eux et leurs électeurs. Ensuite parce que, en général, ils sont jugés à leurs actes. Ce sont des bâtisseurs, des faiseurs, comme dit Alexandre Jardin, qui est un des promoteurs de Boule à Nuit, je crois, ou en tout cas de ce mouvement primaire.org, etc. Et donc, nous avons tous mis en œuvre dans nos communes des procédures de concertation ou de co-construction des projets. On fait des conseils de quartier, des conseils citoyens. Moi, je suis en train de regarder ce qui se passe à Paris avec les budgets participatifs, qui sont des budgets actionnés par les électeurs eux-mêmes, par les citoyens eux-mêmes. On a des ateliers d'urbanisme, etc., etc. Donc, il n'y a pas de projet aujourd'hui, quelle que soit son importance, qui ne donne lieu à une concertation. En ce moment, par exemple, je fais de longues concertations sur le passage de la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service qui va irriguer un quartier de Bordeaux, avant de savoir si ça passe là ou si ça passe là, si la station se met à tel endroit ou tel autre endroit, etc. On demande l'avis des habitants. Comment faire émerger ces processus de concertation et de co-construction au niveau national? Jusqu'à présent, c'était extrêmement difficile. Alors, il y a le système à la Suisse, les votations toutes les semaines. Pas sûr que ça marche en France. Puis les Suisses sont les Suisses. Quand vous leur demandez s'ils sont favorables à une cinquième semaine de congé payé, par votation, ils répondent non. Si vous posez la même question aux Français sur la sixième semaine, il se peut qu'ils répondent oui. Donc ce n'est pas une réticence vis-à-vis de ces processus, mais vous voyez que c'est compliqué. En revanche, avec les outils numériques, avec les plateformes collaboratives, avec tout ce qui est en train de se passer, on voit sans doute émerger peut-être une e-démocratie qui va nous permettre de changer complètement la relation du citoyen au pouvoir politique. Et simplement, ce que je souhaite, c'est que cette e-démocratie participative, collaborative, je ne sais pas comment il faut l'appeler, je l'ai même appelé un jour continue ou quotidienne, elle vienne non pas en opposition à la démocratie représentative, mais en soutien et en légitimation de la démocratie représentative. Parce que je n'ai pas trouvé d'autre système sur la planète autre pour garantir la liberté des citoyens que l'élection libre. Il y a des élections libres ou la dictature. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Il peut y avoir une démocratie consensualiste. Vous savez, ouais, ça, on en reparlera de ça. Mais alors, vous semblez donner beaucoup d'importance... Même sur le tracé d'une ligne de bus à haut niveau de service, vous avez du mal à obtenir le consensus. Il ne faut quand même pas non plus vivre dans un monde de bisounours. L'addition, alors je sais bien que c'est tout à fait en rupture avec une certaine pensée économique, mais l'addition des intérêts particuliers ne fait pas toujours en politique l'intérêt général. On le voit dans beaucoup de débats à l'heure actuelle. Alors, la question trotskiste qui était prévue. Alors, non, pas trotskiste. Vous semblez donner beaucoup d'importance aux élus locaux et à ce titre, je pense qu'on peut vous en remercier. Mais il y a un paradoxe, je trouve. C'est qu'aujourd'hui, l'État n'a pas abouti la volonté de décentraliser. Et aujourd'hui, les collectivités se retrouvent
entre deux chaises. D'une part, on leur impose des réformes gouvernementales, je pense notamment au rythme scolaire, et en même temps, l'État se désengage par la DGF, par la dotation générale de fonctionnement, en retirant de la DGF aux collectivités. Aujourd'hui, comment un maire, comment aujourd'hui des élus locaux peuvent gérer leur budget avec moins de participation de l'État, mais avec des réformes qui sont imposées par l'État? Bon, ben, le maire que je suis a très envie d'abonder dans votre sens. La variable d'ajustement, elle est connue. D'ailleurs, je lisais tout à l'heure en venant là, sur mon iPhone une étude de l'OFCE qui est très optimiste sur l'économie française, qui faisait simplement remarquer que l'un des points noirs aujourd'hui, c'est la baisse de 10% de l'investissement public. Alors vous savez que l'investissement public est réalisé à 70% par les collectivités territoriales. Donc vous connaissez le schéma. On nous a imposé en 3 ans des coupes budgétaires extrêmement sévères. Sur les 50 milliards d'économies annoncées par l'État, les seuls que je peux identifier à l'œil nu dans la loi de finances, c'est les 11,5 milliards qui ont été enlevés à ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire la subvention que l'État verse aux collectivités territoriales, et ceci en 3 ans. Résultat, ça nous a conduit soit à augmenter les impôts. Moi, je l'ai fait l'année dernière de 5%. Cette année, je suis arrivé à faire 0%. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait un département qui les augmentait de 9%. Bon, soit, or, l'intolérance de nos concitoyens à la pression fiscale devient de plus en plus forte, soit à couper dans les budgets d'investissement. Et c'est ce que nous avons fait les uns et les autres. La vraie variable d'ajustement, quelle est-elle? C'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est ça qu'il faut effectivement viser. Comment y arriver? D'abord, nous avons des contraintes très fortes. Statut de la fonction publique, pas de plan social. Augmentation des salaires décidée par le gouvernement, vous l'avez dit. Donc le point d'indice, il se répercute immédiatement dans mes budgets, sans que j'ai un mot à dire. Même chose d'ailleurs pour l'augmentation des cotisations retraite, etc. Et donc nous avons de ce point de vue-là une rigidité extrêmement forte. Et donc ce n'est que sur la durée qu'en mutualisant nos services, en rapprochant les collectivités, on peut espérer des économies de fonctionnement. Je prends l'exemple de Bordeaux. Il y avait jusqu'à présent une communauté urbaine de Bordeaux qui regroupait 28 communes, dont la ville-centre qui est Bordeaux. Nous venons de nous transformer au 1er janvier, en application de la réforme territoriale, en Bordeaux Métropole. Et ça veut dire notamment que nous mutualisons nos services. Je suis en train de construire une direction des finances à partir des 28 directions des finances des 28 communes. 28 directions des ressources humaines, 28 directions de l'informatique, etc. Il est absolument évident que ceci doit nous conduire sur 2-3 ans à des économies d'échelle et donc à la possibilité de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Mais là, nous sommes dans cette période intermédiaire qui fait que c'est très difficile. Quand vous disiez que la décentralisation n'a pas progressé, ce n'est pas tout à fait exact. Depuis 10-15 ans, il y a eu des progrès non négligeables, nous avons reçu des compétences supplémentaires, etc. Je voudrais simplement dire que les dernières étapes de la réforme ont été un cafouillage généralisé. Au lieu de simplifier, on a compliqué. Je vais prendre un exemple caricatural qui est celui de l'Île-de-France. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. En Île-de-France, au terme des nouvelles dispositions législatives, il y a la région, Île-de-France, présidente Valérie Pécresse, qui a la compétence en particulier des transports. En dessous, on a créé la métropole du Grand Paris, qui regroupe un certain nombre de départements et de communes, et qui a la compétence de l'habitat et de l'urbanisme, sans les transports. En dessous, il y a les départements, je crois qu'ils sont 8. En dessous, il y a des territoires, qui sont des intercommunalités, et en dessous, il y a les communes. C'est ubuesque, complètement ubuesque. Il faudra supprimer, naturellement, un de ces échelons. Autre exemple, la grande région Aquitaine, le duché d'Aliénor. Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin. Ça va de Guéret dans la Creuse jusqu'à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. La conséquence incontournable, c'est qu'on maintient les départements, parce que vous avez des espaces ruraux où la région est trop lointaine et est obligée de maintenir l'échelon intermédiaire. Nous avions, nous, prévu quelque chose de beaucoup plus intelligent, qui était la fusion entre le conseiller départemental et le conseiller régional. On appelait ça le conseiller territorial. Et ça préparait, évidemment, le rapprochement entre la région et le département. Voilà. Est-ce qu'on pourra mettre tout ça à zéro en 2017? Les élus locaux, aujourd'hui, sont allergiques à de nouvelles réformes, à de nouvelles géographies, à de nouveaux périmètres. Il faudra gérer les réformes existantes, donner de la stabilité,
pousser vers la mutualisation, favoriser le rapprochement des communes et ouvrir droit à l'expérimentation aux collectivités territoriales pour que le même schéma ne soit pas applicable absolument partout, du nord au sud et d'est en ouest. Alors je propose qu'on parle d'économie, c'est ça ? C'est ce que vous allez faire ? En fait, moi j'avais même deux questions. La première, c'est que quand on vous entend parler, on voit bien qu'il y a une vraie question qui est qu'est-ce qui relève du rôle du local et qu'est-ce qui relève du rôle national, et j'irais même jusqu'à qu'est-ce qui relève du rôle de la France au niveau international, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui ne peut pas oublier cette dimension-là. Et on voit aussi que tout ce qui n'a pas été écrit sur ces sujets très sensibles, des réformes des collectivités territoriales ou des régions, etc., ce qui n'a pas été écrit au démarrage sur un programme, extrêmement dur à mettre en place après. Puisque là, on se heurte. Si on a été élu là-dessus, on a le mandat des Français pour mettre en œuvre des réformes qui peuvent être extrêmement douloureuses et compliquées. Si on n'a pas cette légitimité-là, arriver à faire vraiment bouger les lignes post-élection me semble beaucoup plus difficile. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez réfléchi à ce bon équilibre-là ? Est-ce que ça implique des réformes institutionnelles qu'il faudrait éventuellement mettre en place ? Et dans la même veine, quand on voit aujourd'hui que certaines institutions nationales, comme par exemple Pôle emploi, dysfonctionnent relativement, ou en tout cas elles sont un peu disruptées par des initiatives tierces. Par exemple, je cite toujours le Bon Coin, qui aujourd'hui est le premier site de recherche d'emploi en France et qui est beaucoup plus efficace que Pôle emploi pour trouver un emploi. Donc, est-ce que vous avez fait cette réflexion de quel est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le rôle que doit tenir l'État, ce qui relève de la compétence locale, comment est-ce qu'on responsabilise localement à la fois les citoyens, mais aussi les échelons intermédiaires locaux, à la fois le rôle national au niveau de ces institutions-là, et quelle importance donner aux différentes institutions internationales. Alors, Marie n'a pas fait l'ENA, hein, mais... Petite question, hein. J'ai passé la journée à relire les épreuves de mon prochain livre et j'essaye de répondre à toutes ces questions dans ce troisième ouvrage qui présentera ma politique économique et sociale. Je ne suis pas très fanat des réformes institutionnelles. Ça, c'est une manie française. Dès qu'il y a un problème, on réforme la Constitution. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, où en plus ils ont pris la précaution de ne pas l'écrire, comme ça ils n'ont pas besoin de la changer. Ce n'est pas le cas en Allemagne, et ainsi de suite. Nous faisons des révisions constitutionnelles maintenant tous les 6 mois. On nous parle de la 6e République, je ne sais pas ce que c'est, par une élucubration. On ne changera pas l'élection du président de la République au suffrage universel, les Français y tiennent. On est dans une démocratie, donc il y a un Parlement. Bon, alors il y a quelques réformes à faire. Il y a trop de parlementaires, ça c'est clair. Il faudra en diminuer sensiblement le nombre. Nous en avons presque 1 000 000. Je ne suis pas favorable au cumul entre un pouvoir exécutif local et un poste de parlementaire, même s'il y a des arguments qui vont en sens inverse. Donc il y aura quelques ajustements institutionnels, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un grand soir institutionnel. En ce qui concerne les collectivités territoriales, je l'ai dit tout à l'heure, les élus locaux demandent de la stabilité. Ils en ont marre des changements permanents. Je ne vais pas entrer dans le détail là, mais on a redessiné les intercommunalités qu'on avait changées il y a 2 ans. Alors voilà, je ne vous dis pas le bazar que ça représente. Moi, ce que je propose aux collectivités territoriales, c'est 2 choses. Un contrat d'engagement mutuel, vous vous engagez dans des économies d'échelle, l'État vous garantit la stabilité de vos dotations et de ne pas vous coller des dépenses supplémentaires. Vous avez évoqué tout à l'heure les rythmes scolaires. Et puis droit à l'expérimentation. On ouvre le droit à l'expérimentation. S'il y a des départements qui veulent fusionner, pourquoi pas? En ce moment, les Hauts-de-Seine de Patrick Devedjian et les Yvelines de Pierre Bédier sont en train de se préparer à fusionner. Bon. S'il y a des régions qui veulent déléguer des compétences aux départements, pourquoi pas? Donc souplesse et droit à l'expérimentation. Alors, 3e point dans votre intervention, le rôle de l'État. Dans mon 2e ouvrage qui s'appelle L'État fort, j'ai essayé de montrer sur quoi l'État était irremplaçable. Il y a des fonctions dites régaliennes où personne d'autre ne peut agir que l'État. C'est la défense nationale, j'en parle pas dans ce livre, mais j'en parlerai dans un autre document. C'est la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. C'est le contrôle des flux migratoires. C'est le respect de principes fondamentaux de la République, comme le principe de laïcité. C'est le cœur des fonctions régaliennes de l'État. Et dans ce domaine, l'État doit être fort. La justice a besoin de moyens renforcés. Aujourd'hui, par tête de pipe en France, nous dépensons presque moitié moins que ce que dépensent les Allemands ou la plupart des pays européens autour de nous. Et c'est pour ça que la justice dysfonctionne, en grande partie, avec des procédures qui sont d'une durée tout à fait infinie. Donc, recentrer l'État là-dessus. En revanche,
Je pense que l'économie a besoin d'une fantastique cure de liberté. L'État doit desserrer l'étreinte à la fois normative et fiscale qu'il a peu à peu constituée sur ceux qui créent des emplois. Nous avons un véritable changement de logiciel à faire en matière de politique d'emploi. Jusqu'à présent, nos politiques d'emploi, depuis bien longtemps d'ailleurs, reposent sur deux principes. Le partage du travail, les 35 heures, comme si le travail était un gâteau qu'on peut couper en morceaux. Et deuxièmement, les emplois aidés, c'est-à-dire des subventions de l'État pour des emplois. Je ne les qualifierais pas de bidons, ce serait trop sévère pour ceux qui les obtiennent, mais disons des emplois qui ne sont pas productifs et qui ne sont pas durables. Il faut changer de logiciel, c'est-à-dire se convaincre et convaincre les Français que la création d'emplois, c'est le fait des entreprises, de toutes les entreprises, des plus petites jusqu'aux ETI et peut-être même jusqu'aux plus grandes, et qu'il faut donc réunir les conditions pour que ces entreprises se retrouvent en situation de compétitivité. Et là, l'État doit se retirer d'un certain nombre d'interventions qui ne relèvent pas de lui. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Elle était vaste, mais voilà, les lignes directrices. C'est une très bonne transition pour l'économie. Donc, vous allez faire une conférence le mois prochain pour présenter votre programme économique, je crois. Oui. Ce livre dont vous parlez, c'est le livre sur l'économie. Oui. Voilà. Donc, quelles sont les grandes lignes qui vont permettre de recréer de la croissance en France, de recréer des emplois et de réaliser ce que vous venez de dire, en fait, qui est un objectif, mais qui n'est... Trois objectifs, si vous voulez. D'abord, au niveau des objectifs, le premier, c'est ce que je viens de dire, libérer les forces créatrices. Deuxièmement, pour faire ça, maîtriser la dépense publique. Et troisièmement, accueillir l'avenir, si je puis dire. Sans peur, mais avec enthousiasme, c'est-à-dire se préparer aux bouleversements qui sont en cours et qui vont transformer complètement la physionomie du marché de l'emploi, enfin complètement, ou en grande partie. Alors ça, c'est les orientations générales, je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer un peu dans le détail. Allez-y, par exemple, sur le contrat de travail. Sur le premier point, enlever les boulets que nous avons mis au pied de nos entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, start-up, PME et même ETI, quatre points essentiels pour moi, les 35 heures, redonner la liberté de négociation des 35 heures à l'entreprise. Avec une date butoir, si dans 2 ans, il ne s'est rien passé, ben ça sera 39 heures, payé 39 heures. Certains de mes compétiteurs disent que je ne suis pas assez précis dans mon programme, j'aimerais bien qu'ils le soient autant que moi, parce qu'il ne suffit pas de dire 35 heures, s'il n'y a pas cette incitation à bouger, il ne se passera rien. Voilà, premier point, je peux y revenir si vous le souhaitez. Deuxième point, les charges. Bon, le coût du travail, j'allais presque dire une rengaine qu'on entend en permanence, mais elle est justifiée. Je propose 2 choses. D'abord, remplacer le CICE par une baisse de charges, pas un crédit d'impôt, mais une baisse de charges, ciblée sur l'emploi peu qualifié parce que c'est là qu'il y a des possibilités de recrutement à court terme, et plus précisément, 0 charge sur le SMIC. Il reste encore 16 points avec le CICE, c'est un peu moins, 11 je crois, et puis ensuite une dégressivité jusqu'à 1,7-1,8 du SMIC. Deuxième mesure, transférer le financement. Alors ça, c'est une première mesure qui s'autofinance, puisque le CICE est déjà financier. Deuxième mesure, transférer une partie des cotisations familiales qui finance la politique familiale, de cotisations assises sur les salaires, sur un impôt, qui est l'impôt sur la dépense, c'est-à-dire la TVA, ce que nous avions fait en 2012, un peu trop tard, ça porte sur 10 milliards. Troisième point, le droit du travail, qui est un corset épouvantable. Je cite dans mon livre une anecdote qui m'était arrivée dans une pépinière d'entreprise dans la banlieue de Metz. Je discutais avec un jeune start-upper qui était là, qui me dit « ça marche bien, j'ai une croissance à 2 chiffres ». Je lui dis « vous allez embaucher ?» Il m'a dit « oui, j'avais l'intention d'embaucher, mais tous les copains dans la pépinière m'ont dit « surtout, fais pas cette bêtise ». Parce que si tu perds un marché ou si tu n'as pas un client que tu attends, eh ben tu es coincé, tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre ou combien de temps ça va te durer. Donc moi je propose, pour simplifier, parce qu'il y a d'autres mesures, un CDI sécurisé. Le CDI sécurisé, c'est un CDI dans lequel on peut écrire au moment où on le signe les conditions dans lesquelles on le rompt. Quels sont les motifs qui peuvent justifier un licenciement économique par référence à une modification de la loi? C'était prévu dans la loi El Khomri au départ, je ne sais pas ce qu'ils vont en rester. Donc écrire dans la loi ce que c'est qu'un motif réel et sérieux de licenciement économique. Alors aujourd'hui, c'est le juge ou les prud'hommes qui l'apprécie. Et puis sécuriser pour le salarié parce qu'il a droit à des indemnités et parce que ce contrat de travail est homologué par la direction du travail comme... Le,
la rupture conventionnelle l'est aujourd'hui. Enfin, quatrième point, on va s'y attarder peut-être, je pense, un peu plus, c'est la fiscalité, avec deux idées, harmoniser progressivement notre fiscalité avec celle de l'Europe. Exemple, IS, 38% en France, tout compris, taux moyen en Europe, 22%. On ne peut pas continuer comme ça, et donc rapprochement progressif du taux de l'IS avec le taux moyen européen. Deuxième série de mesures fiscales, et pour moi c'est absolument essentiel, notamment pour l'économie numérique, enfin, vous êtes mieux placé que moi, vous me le direz tout à l'heure si c'est une bonne idée ou pas, réorienter l'épargne française, qui est abondante, vers le financement en fonds propres de nos entreprises. Alors qu'aujourd'hui, bah, la cible, c'est l'immobilier et c'est les obligations d'État, même si elles rapportent peu d'argent. Et ça, ça passe par trois mesures fiscales. Je me suis engagé à supprimer, dès la loi de finances de 2018, l'ISF. J'ai dans ce domaine une histoire contrastée. Un jour, un journaliste me dit « Aucun gouvernement n'a jamais osé supprimer l'ISF ». Faux. Nous l'avons fait en 86-88, j'étais ministre du budget à l'époque. Rocard l'a immédiatement rétabli. En 95, je reconnais que je l'ai alourdi et que c'était une connerie et que je n'ai pas pu rectifier. Là, il faut le supprimer purement et simplement parce que c'est un impôt contre-productif qui n'existe nulle part ailleurs, qui s'additionne à toutes les autres formes de taxation du capital et qui donc est extrêmement négatif. Un jour, on m'a dit, et ça venait d'un chef d'entreprise, « Ah oui, mais... » Si vous supprimez l'ISF, il n'y a plus d'ISF PME. Ce à quoi j'ai répondu, justifier un mauvais impôt par une bonne niche fiscale, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et donc, il faudra prévoir une niche fiscale différente, notamment en permettant la déduction des sommes versées à une PME de l'impôt sur le revenu. Ça s'appelle le dispositif Madelin. On peut l'améliorer. Ça existe en Grande-Bretagne. Je crois que ça s'appelle, je ne sais plus comment, Enterprise Investment Scheme ou un truc comme ça. Et c'est très efficace. Et puis enfin, je termine par là sur la fiscalité, aller vers une taxation forfaitaire des plus-values, on l'a fait un peu après le mouvement des pigeons, et des revenus du capital, des dividendes, pardon, alors qu'aujourd'hui, ils sont taxés au taux marginal de l'impôt sur le revenu, plus les cotisations sociales. Voilà un peu, si vous voulez, la première partie de cette stratégie économique qui vise à desserrer le carcan qui pèse sur les entreprises. Je n'ai pas parlé de la simplification. Le compte pénibilité est une invention ubuesque qui est honnie par toutes les TPE et PME. Donc il faudra lui substituer une autre façon de prendre en compte la pénibilité du travail, mais pas cette espèce de fichage horaire des salariés qui n'a ni queue ni tête. Alors peut-être en termes économiques, qu'est-ce que selon vous, entrepreneurs et investisseurs, il faudrait faire quelles seraient les mesures dont vous auriez le plus besoin immédiatement? En fait, quand on regarde le paysage français, on se rend compte effectivement qu'on a un problème de business angel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'investisseurs, notamment les anciens entrepreneurs qui ont fait des belles plus-values et qui peuvent réinvestir dans l'écosystème et à la fois transmettre d'un point de vue patrimonial, mais aussi d'un point de vue expérience. Et que de ce point de vue-là, on est très en retard, notamment par rapport à l'Angleterre et même l'Allemagne sur ce sujet-là, et aussi évidemment les États-Unis. Et que ça, c'est l'un des points clés, parce que les écosystèmes se construisent grâce à ce recyclage-là. Et s'ils ne l'en font pas à Paris, parce que c'est souvent des écosystèmes locaux, ou en tout cas de là d'où ils viennent, ils le font ailleurs. Donc il y a un vrai sujet effectivement sur le business angeling, qui est comment est-ce qu'on peut inciter ces entrepreneurs qui font de jolies plus-values à le réinvestir dans l'écosystème, et les mesures que vous proposez vont dans ce sens-là. Il y a un autre sujet plus général qui est qu'aujourd'hui l'épargne des Français, elle est massivement dans des produits d'épargne qui sont court terme sans risque, et que toutes les incitations fiscales qu'on a mis en place aujourd'hui favorisent ce mouvement naturel des gens à mettre un peu l'argent dans le matelas plutôt que de favoriser des investissements long terme risqués. Et donc il y a un sujet qui est que oui, l'assurance vie c'est 1400 milliards d'euros, 300 absolument milliards dans les livrets. Alors ça pose et la PEA, question. C'est 100 milliards. Si je peux me permettre, ça pose la question de l'égalisation qu'a voulu François Hollande de l'impôt sur le travail et de l'impôt sur le capital. Ce qui est absurde parce que le capital crée du travail malheureusement. Et sur le capital, l'impôt sur le travail qui a permis de financer le capital a déjà été payé. Donc, moi, quand j'ai ma première entreprise, quand je l'ai vendue, j'avais 26% en tout et pour tout sur la plus-value. Aujourd'hui, on arrive sur les dividendes, par exemple, à payer des taux d'imposition et de charges sociales qui se sont ajoutées depuis, mais qui n'existaient pas en 2000, quand j'ai fait ma première session. C'était FISystème à l'époque. On est aujourd'hui sur des chiffres qui sont absolument délirants et qui ne motivent pas les gens à créer une société, disons-le clairement.
taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, je ne suis pas sûr que certains d'entre nous, avant 2012, n'aient pas exprimé ce slogan qui est effectivement stupide. Parce que les revenus du capital, ils sont déjà taxés en amont de diverses façons. Donc cette fausse égalité n'a pas de sens et il faut y renoncer. Sur les dividendes aujourd'hui, enfin, sauf si je me trompe, quand on a un revenu suffisamment important et qu'on est au taux marginal de l'impôt sur le revenu, on est à 68%. 45%, un petit peu plus d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. On est à 68%. Donc c'est évidemment totalement confiscatoire si vous ajoutez à tout ça l'impôt sur la fortune et tutti quanti. Et donc je propose là de revenir à une taxation forfaitaire de l'ordre de 20% par exemple. Je suis en train de faire mes ajustements et de faire le cadrage général, plus les cotisations sociales. Donc on se retrouverait au tiers et non pas aux deux tiers comme aujourd'hui. Donc ça me paraît une première mesure importante. Je disais que j'étais en train de travailler à mon cadrage général parce que le deuxième axe de mon bouquin, c'est où est-ce qu'on trouve les sous pour faire ça. Hein, parce qu'en ce moment, c'est la période préélectorale, alors c'est vaguement. Hein, les promesses se succèdent. Il faudra bien financer les allègements fiscaux. Or, aujourd'hui, le poids de la dépense publique sur l'économie française, 57% du PIB, record du monde. En Angleterre, en Allemagne, ça doit être 47 ou 48, si je ne me trompe. Je ne parle pas des États-Unis qui sont dans un système social tout à fait différent du nôtre. C'est pas supportable. Il faut donc revenir vers quelque chose qui tournera entre 50 et 52%. Ça fait 100 milliards d'économies sur 5 ans. C'est considérable. Ça porte sur la dépense de l'État, qui pèse à peu près le tiers des 57%, et donc sur les effectifs de la fonction publique. Il y a des endroits où il faudra maintenir des effectifs, fonction régalienne de l'État. Il y en a d'autres où, notamment, la numérisation des administrations permettra, je l'espère, de faire des économies. Je voyais qu'Obama avait mis en place auprès de ses administrations des task forces digitales constituées de personnes venant du secteur privé qui conseillent les administrations et les ministres sur la modernisation, la numérisation, la productivité, etc., pour faire des économies. Deuxième volet, c'est les dépenses des collectivités. J'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y aura pas énormément de marge dans les années qui viennent. C'est 20% du total. Reste 50%. Des 57%, c'est la dépense sociale. Et c'est notre modèle social. Je suis attaché à la sécurité sociale. C'est la marque un peu de l'identité française, sauf que tous les systèmes trop généreux génèrent des fraudes, des gaspillages et des abus. Et donc il faudra remettre à égalité avec le principe de solidarité un principe de responsabilité dans nos systèmes sociaux. Ce n'est pas simplement des grandes phrases, je décline en quelques propositions concrètes. Premièrement, l'âge de la retraite. Contrairement à ce que nous dit le gouvernement, on n'est pas revenu à l'équilibre. Et donc les perspectives de déficit sont très lourdes dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'autre solution que de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Les autres solutions, c'est quoi ? Pourquoi pas 70 ? Parce qu'on peut être très en forme à cet âge-là, je crois, non ? Tout à fait, mais je ne demande pas ma retraite. Et ne pas chercher la retraite. Je ne cherche pas la retraite, naturellement. Enfin, d'une certaine manière, j'y suis déjà. Mais allons-y progressivement. Hein ? 65 d'abord. Voilà. Oui, donc, je disais qu'il n'y a pas d'autre solution. Les autres solutions, c'est quoi ? C'est l'augmentation des cotisations, oublions. C'est la baisse des retraites, oublions aussi. Ou c'est l'augmentation de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. On est déjà à 43 ans. Donc, il faut... Et ça génère, de passer à 65 ans, 20 à 30 milliards d'économies sur la durée. C'est pas rien. Hein ? Vous avez raison, en Allemagne, c'est 67. Donc voilà, je propose 65. Deuxièmement, sur l'indemnisation du chômage, nous avons là aujourd'hui, et je le dis sans agressivité, des phénomènes d'intermittence qui se développent. Il y a effectivement beaucoup de gens qui cherchent du travail avec beaucoup d'énergie, c'est difficile, et ils sont dans la souffrance. Il y en a d'autres qui profitent du système.
On travaille ce qu'il faut pour acquérir des droits au chômage. On se met au chômage pendant la durée requise. On fait un petit travail au noir. Donc pendant ce temps-là, on a un revenu supérieur à celui qu'on avait en travaillant. Si on accumule avec, si on additionne avec l'indemnisation du chômage, et hop, on recommence. Donc il faudra mettre un terme à ces abus. Ça appartient aux partenaires sociaux, puisque l'UNEDIC est géré par les partenaires sociaux. Mais c'est l'État qui garantit les emprunts de l'UNEDIC. Donc l'État aussi son mot à dire. Et donc je pense qu'il faudra aller vers une dégressivité des indemnités de chômage, comme ça existe ailleurs, pour inciter à un retour à l'emploi. Troisièmement, c'est l'assurance maladie, toujours dans la dépense sociale. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. J'évoquerai simplement deux points. Premièrement, le virage ambulatoire. Aujourd'hui, le pourcentage des actes chirurgicaux en France qui sont faits en ambulatoire, on arrive le matin, on rentre chez soi le soir, c'est 36%. Au Canada, dont vous parliez tout à l'heure, c'est 60%. Donc nous avons une marge de progrès considérable. C'est générateur d'économie, c'est générateur de suppression de lits hospitaliers, c'est générateur d'emplois avec la télémédecine et l'e-santé, parce que quand on envoie les gens chez eux, il faut les suivre pour savoir s'ils n'ont pas de pépins. Voilà. Et le deuxième point sur la santé, c'est mettre un terme à certains abus. J'avais dénoncé ça dans mon émission des paroles et des actes il y a maintenant presque 2 ans. Ça s'appelle l'aide médicale d'État. Vous êtes étranger en situation irrégulière. Vous venez en France, vous êtes soigné totalement gratuitement. J'étais bien en situation irrégulière. Ça coûte 800 millions à la Sécurité sociale et le nombre de bénéficiaires a triplé depuis quelques années. Moi, je distinguerai 2 cas. L'urgence, vous êtes étranger en situation irrégulière, vous avez un AVC ou une hémorragie, on ne va pas vous demander votre carte de crédit. On vous soigne. Très bien. En revanche, vous programmez à l'avance une intervention de prothèse de la hanche que vous pourriez faire chez vous, mais que vous venez faire en France parce que c'est gratuit. Terminé. Donc là, il faudra aussi arrêter ce genre d'abus. Et puis enfin, dernier point, et je m'arrête là, parce que j'ai conscience d'être trop long dans mes réponses, les minima sociaux. Je suis en train de tourner autour d'une réforme que j'ai un peu de mal à bien structurer. Il n'est pas normal que quelqu'un qui vit de minima sociaux finisse par avoir un revenu global supérieur à celui de quelqu'un qui travaille. Et quand cette situation se produit, et elle n'est pas rare, la conséquence est immédiate, c'est que celui qui travaille, il vote Front National. Voilà. Et donc, il va falloir trouver un moyen pour faire jouer le RSA, écréter le RSA, de façon que, conjugué avec l'APL, avec les allocations familiales, etc., etc., on ne dépasse pas le revenu d'un SMICAR, par exemple, comme ça arrive aujourd'hui. Voilà, pardon sur cette deuxième branche. Alors justement sur ce point, lorsque vous évoquez ces personnes qui reçoivent cette sorte d'obole un peu institutionnalisée, et qui d'ailleurs les met sous perfusion, et qui les éloigne aussi un peu du système, de tout ce système social, est-ce que vous comptez écarter, on va dire, le seuil maximum du cumul des allocations avec le SMIC? Donc du coup, est-ce qu'on baisse le seuil maximum des allocations ou est-ce qu'on augmente le SMIC? Non, le SMIC a un niveau qui est ce qu'il est. Je ne propose pas de supprimer le SMIC. On me demande ça régulièrement. Je pense que ça serait une mauvaise idée. Par définition, c'est un salaire minimum, le SMIC. Donc en dessous du minimum... Au minimum, il y a précisément les étrangers en situation irrégulière, puisque 96% des gens qui se voient refuser le droit d'asile restent en France. Ça, c'est l'INSEE qui l'a dit il y a quelques mois. Ces gens-là ont la CMU, donc ils sont soignés, mais comme il faut qu'ils se nourrissent, ils vont travailler au noir à des tarifs qui concurrencent le SMIC et qui sont officiels puisqu'ils ont le droit de rester sur le territoire finalement. Non, le travail au noir, ce n'est pas officiel. Mais quand 96% peuvent rester... Ne confondons pas tout. Moi, je vous parlais du SMIC. Je disais que je ne propose pas de supprimer ni de diminuer le SMIC. Je constate d'ailleurs que les Allemands et les Anglais ont créé un SMIC et sont même en train de l'augmenter. Je propose en revanche 0 charge sur le SMIC. Alors j'en reviens à votre question. En revanche, ce que je propose, c'est de vérifier que l'addition effectivement du RSA, de différentes allocations, je prends un exemple, les allocations familiales sont ce qu'elles sont, mais avec 3 enfants, le RSA, les allocations familiales, l'APL, etc., vous avez plus que le SMIC, ou à peu près également le SMIC. Et donc je propose à ce moment-là décréter le RSA pour qu'on reste en dessous d'un salaire d'activité. Alors peut-être qu'on va prendre des questions de la salle ou des interventions ou des crédits. Qu'est-ce que quelqu'un a... Nous avons parfois des systèmes, alors ça concerne l'outre-mer, mais je ne résiste pas à la tentation de vous raconter ça. J'étais à Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une île, comme vous le savez. Il y a une partie française et une partie hollandaise. Et alors il y a beaucoup de gens qui dorment dans la partie française. Ils sont résidents français, ils ont le RSA. Et puis le jour, ils vont travailler dans la partie hollandaise.
où ils touchent un SMIC très inférieur au SMIC français. Mais avec le RSA français et le SMIC hollandais, ils ont plus que le SMIC français. Et donc, d'une certaine manière, la République finance le bas niveau du SMIC dans la partie hollandaise, et qui a parfois quand même des distorsions. Alors, qui sont un peu curieuses. Peut-être qu'on peut donner la parole aux gens dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut... Alors, à l'EBG, on lève la main si on a quelque chose à dire. Et si on est très motivé, on lève le pied, vous vous souvenez de ça? Alors, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas, peut-être. Donnez le micro. Vous avez une grosse voix? Il a une grosse voix, celui de droite. Oui, je le reconnais. Je vous amène un micro. À tous les échelons de notre vie, que ce soit personnel ou professionnel, j'ai des anecdotes quand on crée une entreprise et qu'il faut publier à la Gazette du Palais, sinon on n'a pas de numéro de RCS et donc on ne peut pas enclencher tout ce qui va avec. Donc il y a tout un tas de petites choses qui sont des boulets qu'on traîne tous les jours. On a parlé d'un choc de simplification. Moi, j'en ai rêvé. Malheureusement, il ne s'est rien produit. J'ai encore reçu une facture de 2,27 € d'un hôpital pour avoir un certificat de décès de mon père. J'ai l'impression que ça, ce sont des mesures de terrain qui ne sont pas des grandes mesures qui font des effets d'annonce et qui pourtant sont ce qui nous tue, nous asphyxie au quotidien. Comment est-ce que vous allez attaquer ce problème-là et faire un vrai choc de simplification ? Écoutez, sur le constat, je vous rejoins totalement. Et je ne suis pas chef d'entreprise, mais je suis le patron d'une collectivité de 750 000 habitants et d'une ville de 250 000 habitants. Je suis confronté quotidiennement à la folie de la surréglementation. Aujourd'hui, délivrer un permis de construire, c'est un parcours du combattant. Donc nous avons un énorme besoin de simplification. On nous dit parfois que ces normes sont des normes imposées par Bruxelles. La plupart du temps, c'est faux. Ce sont nos administrations qui en rajoutent une couche par rapport aux administrations bruxelloises. Alors, le constat, il est là. Comment est-ce qu'on arrive à simplifier? Je n'ai pas la solution miracle. D'abord, il faut légiférer moins. On fait des lois à tout propos et hors de propos, des lois qui ont 200 articles. C'est de la folie furieuse. La loi Macron, formidable. Qu'est-ce qu'il en ressort vraiment? Les autocars Macron. C'est bien d'ailleurs, on pose des problèmes de stationnement à Bordeaux, mais enfin, parce que ça a beaucoup de succès. Mais une loi de 250 articles avec des textes d'application qui sortiront. Donc, légiférer moins, ça demandera une grande discipline de la part du futur gouvernement et également des parlementaires. Ensuite, c'est une réforme un peu technique. On met dans des lois des choses qui ne sont pas du domaine de la loi. Une des grandes réformes de la Constitution de 1958, c'était de distinguer article 34 et article 37, ce qui relevait du domaine de la loi et ce qui relevait du domaine du règlement. Et il y a toute une série de choses qu'on pourrait déclasser de la loi au règlement avec l'accord du Conseil constitutionnel. Il y a une procédure qui existe pour faire ça. Quel est l'intérêt? C'est qu'ensuite, on peut simplifier, non plus par la loi, mais par le règlement. On n'est plus obligé de reprendre tout le processus législatif, qui est en général très compliqué et qui simplifie rarement. Voilà ma deuxième idée. Et puis la troisième, c'est de faire remonter systématiquement du terrain des propositions de simplification opérationnelle, en partant de l'idée que ce n'est pas les administrations centrales qui proposeront des simplifications, puisque leur vocation, c'est de pondre des textes pour compliquer la vie des gens. La réduction des effectifs des administrations centrales pourra contribuer aussi à une moindre prolifération réglementaire et normative par rapport à celle à laquelle nous assistons. Il faut aussi que nous soyons cohérents avec nous-mêmes, hein, parce que c'est parfois la société civile qui demande des protections et des règlements, hein, ou l'opinion publique. Aujourd'hui, on est en train d'en rajouter de nombreuses couches sur les normes environnementales. Bon. Il y a la demande du corps social qui veut davantage de précautions, davantage de protection. Donc là aussi, il ne faudra pas demander tout et son contraire. Alors pour faire passer... je t'en prie, tu veux aller, Lix, tu veux dire quelque chose? Je t'en prie. Non, c'était justement pour commencer à passer au sujet d'après. Moi, je voulais juste... envoyer quand même un message positif. Je trouve qu'en France, on est quand même pas trop mal loti. Il faut quand même voir le côté positif des choses. Nous, on est une entreprise donc française. On est basé à Paris. On a des entités dans différents pays. On a choisi de créer des filiales. Donc, ça nous a mis une heure au UK.
au UK, enfin en Grande-Bretagne, pardon. Ça nous a mis, on va dire, quelques jours, quelques semaines en Allemagne. Et puis, ça fait 3 mois qu'on essaye en Espagne et que ça ne marche toujours pas. Voilà, donc en France, on est quand même plutôt bien lotis, je trouve. Et j'en profite aussi pour rebondir sur l'écosystème français et puis passer sur le sujet un peu plus digital. Donc, nous, on est dans un écosystème avec Marie, donc l'écosystème digital qui est extrêmement vivant et on a énormément de chance en France. Nous, on est une entreprise, on a levé 6 millions d'euros. On a des super investisseurs et on a nos concurrents américains qui se sont lancés en même temps que nous et qui ont levé 150 millions d'euros et on fait la même chose et on s'est lancé en même temps. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour justement arriver à ce qu'on arrive à créer justement des champions technologiques en France et en Europe? Bon, d'abord, ne vous y trompez pas, moi je ne suis pas pessimiste, hein. Pour la France, parce qu'on énumère en permanence nos handicaps, ce qui va mal, etc. On a des atouts formidables, je ne vais pas les lister ici. Et le principal atout, c'est l'esprit d'entreprise de nos jeunes gens et de nos jeunes femmes. Hein. Je vois, quand je compare à des générations antérieures, il y a un changement profond. Hein. Il y a vraiment cette volonté d'entreprendre. Et nous avons mis en place des outils quand même, vous parliez de la création d'entreprises, qui ont simplifié beaucoup l'auto-entrepreneuriat, même s'il est critiqué par la vieille économie ou le monde de l'artisanat et du commerce, est quand même une facilité. Il ne faut pas tuer l'auto-entrepreneuriat. Je pense même qu'il faudra sans doute relever le seuil de chiffre d'affaires qui permet d'utiliser cette formule. Donc voilà, on a cette richesse-là. Je le vois un petit peu partout, chez moi aussi. Quand on lance une opération comme French Tech, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois tout d'un coup surgir d'un peu partout une multitude de start-up qui existent, qui sont là, qui demandent une première chose, et c'est une première réponse à votre question, c'est de se connaître les unes les autres, de se mettre en réseau, hein, d'avoir des carnets d'adresses, de savoir ce qui se passe dans le territoire où elles évoluent. Après, il y a l'amorçage, le démarrage. Moi, ce qu'on me dit, et là je parle sous votre contrôle, c'est que ça ne se passe pas si mal, qu'il y a des dispositifs en France, des fonds d'amorçage, parfois portés par les régions, parfois le financement collaboratif permet de démarrer aussi quand il s'agit de trouver 100 000 euros ou 50 000 euros. En revanche, le capital de croissance, vous avez parlé là, combien ? 500 millions ? Là, on est déjà dans des chiffres impressionnants, mais même 10 millions ou 20 millions, ça pêche. Alors, quelle est la solution ? Est-ce qu'il faut, là aussi, mettre en place des dispositifs publics supplémentaires ? Il y a la BPI, on ne sait pas exactement la vocation, qui soutient plutôt des entreprises plus importantes, mais qui donne sa garantie aux entreprises innovantes. Et puis, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire développer. Alors, je ne connaissais pas l'expression « business angeling », je connaissais les « business angels », mais on peut en tirer un substantif, donc le « business angeling », avec les mesures fiscales que j'ai évoquées pour débloquer justement cette incapacité aujourd'hui de notre épargne à s'investir auprès des jeunes entreprises. Je crois que la solution viendra principalement de là, avec les mesures fiscales que j'ai évoquées. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on regarde l'âge moyen des boîtes du CAC 40, c'est 104 ans. Donc ça veut vraiment dire qu'on a un problème d'ascenseur de croissance économique depuis des années et qui n'est pas du tout récent. Donc oui, il y a une certaine dynamique chez les créateurs d'entreprises aujourd'hui. Et donc on n'a pas de problème à créer de belles petites entreprises. On a un sujet qui est qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est amplifiée, où cette règle est amplifiée par le numérique, où on a besoin de devenir leader international, parce que sur un produit, la concurrence n'est plus locale, elle est nativement internationale, même si vous n'allez pas à l'étranger, les gens viennent. Donc c'est à ce niveau-là de compétitivité qu'il faut rivaliser. Donc on a un vrai sujet effectivement qui est non pas... Donc il y a le début de la chaîne, Jean-David Chamboredon qui est dans la salle ici aime toujours parler de cette idée de tas de sable. Donc il faut de plus en plus, pour que le tas soit haut, il faut que la base soit large. Mais pour qu'il soit effectivement bien haut, il y a un vrai problème qui est qu'on a de l'argent en France, on a de l'argent en Europe, mais il ne va pas dans l'économie réelle. L'assurance vie est partout sauf dans l'économie réelle, tout ce qui est Solvency 2, etc. est une bonne excuse pour les assureurs de ne pas investir dans des choses qui vont endommager leur capacité, leur ratio prudentiel de fonds propres. Donc on a besoin quand même d'un mouvement un peu plus supérieur. On peut aussi se dire qu'on peut attirer des capitaux étrangers.
Je rappelle quand même qu'en plus des capitaux, on a besoin de talents étrangers. Il y a 40% des chefs des CEO, donc des PDG des Fortune 500 aux États-Unis, qui sont des migrants ou des enfants de migrants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus générique pour faire en sorte que ce tas de sable, oui, soit bien large, mais qu'on arrive à le faire monter beaucoup plus haut, de manière à redonner cette dynamique jusqu'au bout et à se positionner dans une économie dont les règles du jeu aujourd'hui sont au niveau international, à la fois en termes d'acquisition de talents et de faire venir de capital. Il faut que nous nous remettions en situation de compétitivité. Je crois que c'est la seule réponse au problème que vous posez. Je l'ai évoqué sur le plan de la réglementation, je l'ai évoqué sur le plan fiscal, on l'a évoqué sur le plan du financement. Il y a aussi, vous avez raison de l'évoquer, la question de la formation et de la disposition du capital humain. On n'est pas si mauvais dans ce domaine, hein. On a quand même des ingénieurs bien formés. On n'a peut-être pas suffisamment intégré dans toute la formation de nos jeunes une préparation à l'économie digitale, au codage, la sensibilisation, y compris dans nos grandes écoles, la digitalisation de l'économie. Donc je crois que là, il y a encore des efforts considérables à faire, même si nous formons beaucoup de jeunes qui ensuite s'en vont. Hein, parce que le potentiel, il est là, il y a émigration. Le problème, sincèrement, ce n'est pas que les jeunes s'en aillent. C'est très bien. C'est le problème, c'est qu'il n'y ait pas d'étrangers qui viennent. Oui, bien sûr. Enfin, non, le problème, ce n'est pas que les jeunes s'en aillent. Moi, ça ne me gêne pas qu'ils s'en aillent. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils reviennent. Alors, que les étrangers reviennent, pourquoi ils ne viennent pas, les étrangers? Je vous pose la question. Ils ne viennent pas because la fiscalité, numéro un, non? Oui, même les comités, non, même certains comités exécutifs s'en vont très loin aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Désolée, mais les jeunes ne viennent pas, enfin en tout cas nous dans notre écosystème, on a un sujet d'attractivité des talents étrangers. Le premier, c'est que, un, il y a quand même très peu de gens qui parlent anglais, enfin c'est pas assez répandu, on n'est pas très ouvert. C'est une bonne réponse aussi. Voilà. Si, dans mon programme. Donc ils se sentent pas hyper bien accueillis, c'est que quand ils arrivent, c'est très dur pour eux de louer un appartement. Enfin, c'est des problèmes du quotidien, ils pensent pas à la fiscalité. Il ne faut pas non plus exagérer, c'est pas beaucoup plus difficile de trouver un appartement à Paris qu'à Londres. Hein. Il ne faut pas non plus noircir trop le tableau, enfin, d'après ce que je sais. Hein, voilà. Le problème de la langue... Non, mais moi je veux bien qu'on analyse... Je veux bien aussi analyser les raisons pour lesquelles on ne vient pas. Hein. Non, là où je vous rejoins, c'est sur la pratique de l'anglais. Et quand vous dites, quand M. Reboul dit que je n'y peux pas grand-chose, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait des propositions sur notre système éducatif. L'enseignement des langues en France est gravement déficient, on le sait bien, depuis longtemps. Donc il faut absolument que, dès le plus jeune âge, nous allions vers une forme de bilinguisme. Pardon ? Ah, pardon, vous étiez en train de parler. J'essayais de répondre. J'ai une petite question. Oui. C'est un peu lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, justement sur la taille du marché. En fait, moi j'ai l'impression c'est surtout qu'il n'y a pas d'Europe. Quand on regarde les États-Unis, c'est un marché qui est monstrueux, donc on crée des géants là-bas. En Europe, les seuls géants qu'on ait créés, c'est ceux que l'État a créés avec ses partenaires, que ce soit Airbus, Alcatel, on parle toujours de... 50, 100 parfois. Enfin, voilà. Donc il y a un problème de taille de marché, la langue, la fiscalité, enfin tous ces problèmes-là entre nous, qui fait qu'à chaque fois qu'on ouvre dans un autre pays en Europe... C'est un nouveau marché, une nouvelle compétition. Pixmania s'est cassé la figure là-dessus. En fait, la seule réalité, c'est que la plupart d'entre nous, dans ce métier-là, on va aux États-Unis en premier, ou à Londres, certains, ceux qui veulent y aller, parce que le marché est tout de suite plus gros. Donc si on réussit là-bas, on peut lever de l'argent de manière plus significative. Et puis, surtout, le potentiel aussi de gain est bien plus important là-bas. Du coup, les levées sont plus importantes. Enfin, tout est modifié. Quand j'entends Alix qui dit qu'elle a levé 6 millions en France, là-bas, il lève 150 millions. Oui, donc je pense qu'en fait, le problème, ce n'est pas les compétences. Non, ce n'est pas un problème de compétences. Je pense qu'on a des gens super compétents en France. Je pense que ce n'est même pas les lois ou trouver un appartement. Ça, c'est des détails du quotidien, mais ce n'est pas le fondement du problème. Le problème, c'est la taille du marché. Quoi. C'est qu'on n'a rien. Quoi. Je vous rejoins tout à fait sur ce point. Il faut créer un marché européen du numérique. Si l'Europe veut retrouver aujourd'hui un marché unique, un marché ouvert, si l'Europe veut retrouver aujourd'hui une attractivité, une légitimité, elle doit s'attaquer à des vrais problèmes qui lui permettront de développer de véritables champions européens. La Commission y réfléchit. Il y a encore toute une série de barrières entre les marchés qui constituent l'Union européenne aujourd'hui. Donc je pense que vous avez raison. C'est une des réponses. Parce que le marché potentiel est aussi important que celui des États-Unis. Hein, on a 450 millions d'Européens qui constituent un marché potentiel au moins aussi important. Donc c'est là qu'il faut
faut débloquer les choses. Alors, monsieur le Premier ministre, on doit vous libérer dans 3 minutes. Juste une question dont je vais... pour réformer la France, il faut prendre des décisions qui ont parfois comme conséquence, et vous l'avez vécu pour une réforme qui aurait été très utile si elle avait été adoptée 20 ans plus tôt, avec les grèves auxquelles vous avez dû faire face. On voit que le gouvernement recule sur la loi, il a reculé sur la loi Macron, il recule sur la loi Khomri. Comment peut-on, en France, prendre des décisions nécessaires et résister au fait que des corporatismes aillent dans la rue et protestent et ne pas s'écraser et dire c'est dans l'intérêt national, elles doivent être votées? Comment ne pas revivre 95 d'une certaine façon? Je voudrais d'abord rappeler qu'en 95, j'ai reculé sur une réforme. La réforme des régimes spéciaux de retraite, parce que je n'étais pas prêt. La réforme de l'assurance maladie, je l'ai faite intégralement par les ordonnances du printemps 96. Et beaucoup d'autres réformes ont été faites à l'époque, celle de France Télécom, par exemple, qui est passée du statut d'administration à celui d'entreprise, avec l'option donnée à son personnel à partir d'une certaine date, enfin l'option, ce n'était pas véritablement une option, d'être recruté sous statut de droit privé, etc. Donc je ne vais pas revenir sur 95, ça n'a qu'un intérêt rétrospectif, vous l'aviez évoqué, c'est pour ça que j'en parle rapidement. Aujourd'hui, est-ce que oui ou non, et je sais que c'est une réponse qui taraude un peu mes interlocuteurs, et notamment dans le milieu que vous représentez, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du numérique, est-ce que tout ça c'est très bien, mais est-ce que vous allez y arriver? Et c'est, je le dis parfois, la question qui tue. Parce que c'est la question essentielle, en fait. Oui, mais la réponse, elle est dans la preuve. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire a priori? Premièrement, il faut une forte détermination. Et il faut donc préparer des réformes soigneusement. Je préparerai une quinzaine d'ordonnances sur un certain nombre de sujets, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui pourront être mises en œuvre dans les 6 mois qui suivront l'élection présidentielle. Deuxièmement, il faut afficher la couleur. Il ne faut pas dire aux électrices et aux électeurs, au moment de l'élection, le contraire de ce qu'on fera après. C'est ce qu'on a fait en 2012, c'est ce qu'on a fait en 1995 aussi. En 1995, Chirac avait fait toute sa campagne sur la fracture sociale. Et puis quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait un gigantesque trou dans les comptes de la Sécu. Et la politique que j'ai faite, ce n'était pas la politique de la fracture sociale. C'était une politique aussi d'austérité et de remise à niveau de nos finances. Donc là, cette fois-ci, il faut annoncer la couleur. Et je dirai ce que je viens de dire. Je dirai abrogation de l'IDSF, je dirai la retraite à 65 ans, je dirai les 35 heures, c'est fini, etc. etc. Je ne le dirai pas après, je le dirai avant. Et de deux choses l'une. Ou je convainc les Français, ils me donnent mandat de le faire, ou je ne les convainc pas, et voilà, je rentrerai dans mon douar. Bordelais, qui est d'ailleurs assez attractif, où j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà, je crois que c'est aussi ça, l'engagement que l'on attend. Ensuite, il faudra agir vite et avoir une gouvernance efficace. Un gouvernement où il n'y aura pas une kyrielle de ministres, avec une stabilité gouvernementale. L'autre jour, j'étais un peu humilié, j'ai vu à Bordeaux le vice-premier ministre belge, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Vous allez me dire que la Belgique n'est pas un modèle de gouvernance, mais il faisait de l'ironie en disant que depuis qu'il est ministre, vice-premier ministre, il a vu passer 10 ministres des Finances français, 5 ministres français des Affaires étrangères. Il y a eu depuis 4 ans ou 5 ans, 4 ministres de l'éducation. Ça valse, bon, sans jeu de mots. Et donc, la stabilité ministérielle sera aussi importante. Et la gouvernance ministérielle, il faut que les ministres soient les patrons de leur administration. C'est très rare aujourd'hui. Si on me demandait d'en citer, j'en aurais 3 ou 4, au plus 5 sur les doigts de la main. Ça veut dire en particulier que les cabinets ministériels doivent être ramenés à leur fonction, c'est-à-dire être les conseillers politiques du ministre et pas des substituts à l'administration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On prend dans les administrations, dans les grandes directions, un jeune inspecteur des finances ou un jeune auditeur à la Cour des comptes, on le met au cabinet, il devient le supérieur du directeur dont il était le subordonné 3 jours avant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ou bien on a confiance dans son directeur pour faire la politique du gouvernement et on le garde, ou bien on n'a pas confiance et on le remplace. Ce sont des postes qui sont remplaçables ad nutum. Donc voilà, aussi une gouvernance effective qui fasse des ministres de véritables patrons de leur administration. Voilà un peu, si vous voulez, sur le plan de la méthode. Eh bien, je vous remercie. C'est le mot de la fin. Non, on doit libérer monsieur le Premier ministre. On doit le partager. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Je propose donc... beaucoup de gens iront voter à la primaire, visiblement. J'ai une mauvaise habitude, c'est que j'ai toujours envie d'avoir le mot de la fin.
Ah, mais vous l'aviez pas non, c'est vous qui l'avez eu. Ah, bon, d'accord. Non, parce que je vais prononcer un mot que je crois ne pas avoir prononcé durant cette heure, mais un peu plus, c'est le mot de confiance. Tous les économistes vous diront que voilà, il y a des tas de belles théories en économie. Le cœur du redressement économique, c'est la confiance. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de défiance généralisée. Tout le monde se défie de tout le monde, les gouvernés des gouvernants, les groupes sociaux les uns des autres, les salariés des patrons, les patrons des salariés, etc. Est-ce que nous sommes capables, oui ou non, à partir d'un objectif clair et de programme et d'un programme bien précis et bien mis sur la table, de retrouver entre nous une relation de confiance, et en particulier entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique? Aujourd'hui, nous nous méfions les uns des autres. Vous n'aimez pas les politiques. Les politiques trouvent que parfois, voilà, vous avez une liste de courses un peu abondante et que vous demandez à la fois le désengagement de l'État et des aides supplémentaires. Ce n'est pas toujours très cohérent. Il faut arrêter ce petit jeu de massacre entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique. On est sur le même bateau qui s'appelle le bateau France. Et je pense que si nous nous faisions confiance les uns les autres, eh bien, on pourrait partir pour une belle navigation. Merci.